La nièce de Margrethe II de Danemark est officiellement divorcée de son mari. La princesse Nathalie de Saint-Wittgenstein-Berleburg était mariée à Alexander Johansson. Le couple se sépare après 12 ans de mariage. La nièce de Margrethe II de Danemark était séparée de son mari depuis des mois. Le lundi 15 août 2022, son divorce est officiellement prononcé. Bille Bladet, média danois, a confirmé la nouvelle annoncée par la cour royale danoise. La princesse Nathalie est la plus jeune des trois enfants de la princesse Bénédicte de Danemark et du prince allemand Richard de Saint-Wittgenstein-Berleburg. La princesse Nathalie de Saint-Wittgenstein-Berleburg avait épousé l'éleveur de chevaux allemand Alexander Johansson en 2010. La princesse Nathalie était déjà enceinte de son premier enfant, Konstantin, né le 24 juillet 2010, précise le Paris Match, lors de ce mariage civil. Le couple s'est marié religieusement un an après, en 2011. D'après Histoire Royale, la nièce de Margrethe II de Danemark a eu droit à un mariage de conte de fées. Malgré tout, la princesse et son mari se sont séparés il y a quelques mois. Leur divorce a été confirmé par la cour royale danoise le 15 août dernier. L'ex-championne d'équitation a deux enfants avec l'éleveur de chevaux allemand. Leur union a donné naissance à une petite fille en 2015, Louisa. Une garde partagée pour les deux enfants de la nièce de Margrethe II de Danemark. Aucune information n'est accessible au sujet des raisons de la séparation. Si est-il la cour royale danoise qui communique les informations officielles relayées par le Bille Bladet. Ce dernier confirme que les deux ex ont convenu sur une garde partagée de leurs deux enfants. Une façon pour le couple de collaborer étroitement pour l'éducation de leurs enfants. La nièce de la reine Margrethe II de Danemark et de la reine Anne-Marie est une sportive de haut niveau en équitation, rappelle le Paris Match. Times through the rough times I